Voilà, c'est parti pour cette 7e course. Départ assez moyen pour SN Drive South. Donc, le plus rapide, c'est Rahib qui va se porter aux commandes. Mais Maroula vient lui taquiner donc à l'extérieur. Mais Rahib semble très facile à l'avant. Devant Maroula qui court à l'extérieur de Giles Tiger qui reste bien dans le coup. Ensuite, on retrouve Domino Ruler, Nicholas Inn, Ocean Drive South et Carlton Heights. Alors qu'on accroche la roue du gouvernement, Rahib donc contrôle à sa guise cette épreuve. Maroula reste sur son arrière-main. Giles Tiger également au contact, tout comme Domino Ruler. Nicholas Inn est déjà monté à fond pour tenter de rester au contact. Alors qu'on va aborder la courbe pour entrer en ligne droite finale, Rahib va amener le peloton en ligne droite sous la menace de Maroula. Giles Tiger va gicler côté corde, mais Rahib tente de repartir maintenant, lancé par Pierre Cornet au feu. À l'extérieur, Maroula tente de revenir, mais Rahib a toujours l'avantage avec Giles Tiger qui fait une belle avantage à l'extérieur. Giles Tiger, Maroula arrive extrêmement serré. Maroula ou Giles Tiger arrive serré alors que Rahib courbe les chines à 25 mètres du poteau. Voilà un pick-up ride intéressant pour Robbie Bicari. Alors qu'on va revoir le ralenti, donc, eh bien, c'est la photographie qui donne raison à Maroula qui vient s'imposer à l'extérieur. Regardez, à ce moment précis, on a l'impression que Rahib repart de plus belle, mais Giles Tiger va emmener une belle réplique côté corde. Et Maroula qui revient fort, de plus en plus fort à l'extérieur et qui vient donc reprendre tout ce beau monde pour s'imposer dans cette 7e course. Victoire de Maroula dans cette 7e course. Devant Giles Tiger, la 3e place pour Rahib. Domino Ruler termine 4e. Déception de Nicholson, côté à 280 roupies, 290 roupies.